Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le gros compte exceptionnellement parce que j'ai pas rush sur le enfin j'ai pas encore rush sur le petit compte. Donc quand je vais rush, je ferai une vidéo dessus. Du coup, en attendant, on se retrouve sur le gros compte. Je vais essayer de rush le plus haut possible. Et du coup, on se retrouve directement dans les games. Ok, du coup, la première game, elle sera contre ConeFX. Donc il me semble qu'il joue Lockbait avec la roquette. Du coup, je vais commencer avec mes support points comme d'habitude. Peut-être une bûche à droite, du coup, ok. Je vais mettre mon mineur ici. J'ai pas envie de le mettre au placement classique. Parce qu'il va le pré-shot justement. Je vais attendre de voir s'il fait rien. J'ai peut-être arché. Ok, du coup, je vais le protéger avec la Valkyrie. Il va devoir. Du coup, non, il a plus sa bûche. Donc, il va encaisser pas mal de dégâts pour l'instant. Ok, il a pris pas mal de dégâts. Là, il va peut-être mettre un fût avec sa princesse. Ok, non. Ok, il fait rien du coup. Je vais attendre moi aussi. Je prépare mes gobelins lance au cas où il met ton fût. Ok, du coup, il met son fût ici. Je vais mettre mes sapeurs pour pas prendre de dégâts. Je vais devoir bûcher sûrement. Ok, du coup, il bûche. Il pourra pas princesse au pont du coup, à cause de la tour à bombe. Donc, j'ai rien à faire pour l'instant. Ok, il fait rien du coup. Je vais attendre aussi. Je vais repartir en mineur. Je pense pas qu'il y a un pré-shot ici, peut-être derrière ou sur le côté. Ok, pré-shot derrière. Okay, du coup, il a anticipé un pré-shot, enfin un archer magique au pont. Je peux aller Valkyrie du coup dessus. Et du coup, je vais mettre un archer pour les gardes. Parce que je pense pas que la Valkyrie suffise. Ok, il met une princesse au pont, je vais éteindre ça. S'il en fuit, il va devoir boule de feu, mais pour l'instant, j'ai pas d'élixir. Ok, peut-être une bûche du coup pour accompagner. Ok, du coup, bien joué à lui. S'il met son fût, je pourrais boule de feu, c'est pas trop mal. Mais s'il fait rien, je vais juste mettre un mineur, je pense. Ok, là il va peut-être. Ok, non, du coup, il tourne de l'enfer, il va peut-être push du coup. Ok. Ouais, ok, mais du coup, bien joué. J'ai un peu raté ma Valkyrie aussi. Du coup, je prends pas mal de dégâts malheureusement. On a mis des dégâts aussi, du coup ça compense. Là je pense qu'il va garde. Ok, du coup non, il va le carry. Du coup je peux t'en aide. Enfin, je vais pas gratter énormément, mais on va quand même. À mon avis, là il va push. Du coup, je vais mettre ma tour à bombe dans le doute. Ok, du coup il push pas, ça va un peu à rien. Ok, quoi que. Comme il a mis pas mal d'élixirs, je vais encaisser. Et là, s'il défend, je vais mettre mon. Ok, bon, il a défendu, mais pas avec ce que j'espérais. J'ai Tornade assez tard, parce que là du coup il pourra défendre avec une bûche par exemple. Ça m'arrange pas trop, mais on est quand même à portée de boule de feu. Ok, je vais essayer d'enlever un mineur, mais du coup il l'a pré-shot. Là je vais sécuriser avec une tour à bombe. Ok, je vais mettre mes gommes en lance, et du coup je pourrais boule de feu, et ça devrait être game là-dessus. Ok, du coup bien joué à lui, belle game, et on va se retrouver directement dans la deuxième game. Ok, du coup on sera contre Furkan Arabassi, donc un très très bon joueur. Je pense que vous avez déjà entendu ce nom en tout cas. Il nous met une armée de squelettes pour le mineur. Du coup, ça peut être du Molos Clone, ça peut être du Géant Zapi, du GR, du Géant Cimetière. Ok, géant. Du coup, je suppose que c'est du Géant Cimetière ou du Géant Zapi. On va bien voir. Du coup, je vais mettre ma tour à bombe. Je vais pas être donné de value avec un sort, du coup je vais partir de l'autre côté. Ok, parfait. Du coup, je pense que c'est du cimetière. Ok, il met des battes. Je vais juste mettre mes gobelins lance. Il devrait être assez. Ok, il a la version prince ténébreux, du coup, avec une reine, je suppose. Ça va pas être la meilleure version pour nous, mais on va bien voir ce qu'on pourra faire. Ok, une reine. Du coup, je vais mettre pas PDF dessus directement. Ouais, peut-être géant au fond, ça m'étonnerait qu'il mette au pont. Peut-être maintenant, ok, du coup il met son géant. Je vais mettre ma tour à bombe, je vais essayer de mettre mes sapeurs pour son kappa. Ok, dommage, du coup le sapeur on ne collectera pas, on n'aura pas de dégâts en plus. Par contre là il risque de cimetière, peut-être avec des battes. Ok, du coup je vais mettre mon archer derrière la tour du roi, parce que du coup il sera pas
il sera bien protégé. Parce que du coup, s'il veut le tuer, il faudra qu'il mette BD, boule de neige et flèche. Et s'il le fait, il activera la tour du roi. Du coup, je pense pas que ce soit une bonne option. Ok, il repart en prince ténébreux. Je vais essayer de mettre mon mineur pour que l'archer puisse connecter. Ok, du coup, il met juste une reine. Ok, là, j'ai boule de feu les deux. Ok, parfait. Du coup, là, il va juste rejoindre au fond, probablement. Ok. Est-ce qu'il défend? Ok, non. Du coup, il risque de laisser. Je vais tenter un archer au pont. Alors, je sais que c'est risqué, mais j'ai bien envie de prendre le risque. Là, il risque de reine, par contre. Ok, je vais essayer de la tuer avec la tornade et la boule de feu. Ok, non. Du coup, ça la tuera pas. Du coup, ça va être assez compliqué de défendre pour le coup. À quoi que, sauf si la. Ok, la tour bombe. A tué la reine, mais il va quand même boule de neige. Du coup, on va assumer les dégâts. C'est sûrement à cause de mon agressivité. On va pouvoir mettre quelques coups, peut-être plusieurs coups. C'est le ok. Du coup, il a focus le prince ténébreux. C'est parfait. Là, je vais racheter une boule de feu pour mettre des dégâts à la reine. Ok, là, je vais t'enlever parce qu'il va capa sûrement. Ok, il a capa. Là j'espère qu'il n'y a pas boule de neige sur mes gobelins lance. Ok, du coup il met ralenti la Valkyrie. Ok. Je vais mineur, là je vais attendre un peu. Ok, là je vais mineur. Je vais essayer de préchoter un prince. Ok, du coup là il va géant je pense pour tout tanker. Ok, là j'ai pas de tornade. Ok, du coup là il y a juste ses bats, je vais t'en l'aide. Je pense que ça met deux coups. Ok, ça a pas mis les deux coups malheureusement, ça va être compliqué de défendre par contre. Je vais devoir tour à bombe. Ok, là il va flèche, je pense. Donc la Valkyrie tape. Ok, ça a défendu. Là il n'y a plus ses sorts, donc je pense qu'il va armer. Du coup, je vais archer. Ok, le ça part à collecter. Alors, je sais pas trop comment, mais du coup, ça nous arrange et on gagne la game sur ça. Ok, du coup, pour la prochaine game, on sera contre Hajime. Donc, un excellent joueur également. J'ai raté mes gobelins lance pour commencer, donc ça commence pas très bien déjà, mais on va essayer de se rattraper. Ok, du coup, il met ses gardes. Je pense que c'est un. Oh, c'est le deck foreuse. Ok, du coup, avec sa paire, c'est vraiment ça. Là, j'ai juste tornade de tout. Ok, du coup, ça devrait défendre. Ok. Il met un bombardier. Je vais essayer d'archer. J'espère qu'on va mettre au moins un coup. Ok, non, du coup, on mettra pas plus de coups. Il doit voir Valkyrie ici, il lui va peut-être mettre la sienne. Ok, non, bien joué à lui pour l'esprit. Ok, on mettra pas de dégâts malheureusement. Ok, du coup, là, il met. Je vais mettre ma 3 bombes, c'est sa peur. On va essayer de lui forcer une Tesla. Ok, non, du coup, très bien défendu de sa part. Je vais devoir. Mineur sur le. Ok. Je vais Valkyrie sur le. Sur les bombardiers et les gardes. J'ai pas trop le choix. Du coup, je vais devoir assumer les dégâts. Là, il a bien joué pour le coup. Ça va pas être simple de remonter, mais on va essayer quand même de le faire. Ok, très bel esprit en plus. Je vais essayer d'activer la tour du roi. Ça pourrait m'aider. Ok, parfait. Ça pourrait nous aider contre la foreuse par exemple. Du coup, c'est vraiment pas mal. Ok, il met un bombardier au fond. Je pense pas que je vais pouvoir archer, malheureusement. Quoique, il a mis sa Valkyrie, je vais attendre un peu. Ok, là, je vais le mettre. Ok, il a pas pré-shot. Je vais quand même devoir Valkyrie sur la foreuse, parce que l'archer ne suffira pas. Là, il va peut-être Tesla pour tout tuer. Ok, esprit, bien joué à lui. Ok, il a une tour de l'enfer, finalement. Je vais quand même essayer de la tuer. Ok, là, je vais devoir 3 bombes. Je vais essayer d'archer quand même, mais. Ok, il a essayé de pré-shot, mais du coup, c'est pas passé pour lui, ça a été un peu tard. Ce qui fait qu'on a eu 3 coups d'archer magique sur la tour, et ça, c'est pas négligeable. On est même passé devant, ça, c'est cool. J'ai pas envie de mettre ma Valkyrie sur le bombardier. Ok, là, je dois tour à bombe, par contre. Il va essayer de recycler une pause rapidement, et là, j'ai ni tour à bombe, ni Valkyrie pour défendre. Il va falloir que je fasse gaffe. Ok, du coup il hésite pré-shot.
Je vais mettre mon archer en défense. Là, il va peut-être mettre sa peur. Je vais essayer de tourner des Valkyries pour tout défendre. Ok, parfait. On a quand même limité les dégâts. C'est pas mal ça. Là, j'ai mineur. J'ai un pardon mineur. Vraiment des gardes. Ok, je vais pas archer. Ok, il va peut-être pré-shot. Ok, du coup, j'aurais dû archer. Mais ça a quand même été un peu risqué, même s'ils auraient payé. Et peut-être sa peur, du coup je vais mettre ma tour à bon. Ok, je vais mettre mes gobelins lance pour la foreuse. Ça devrait défendre parfaitement, ok. Et du coup il y a peut-être tour à bon, enfin un tour de l'enfer, ok. J'essaie de mettre des dégâts avec l'archer. On a eu deux coups. C'est quand même pas mal, ok. Du coup là il va peut-être repartir en sapeur. Ok, je dois mettre mes sapeurs. Ok, il est revenu assez rapidement, du coup là je vais mineur, je vais essayer d'archer. Ok, il a pas mis ses gardes malheureusement, je vais essayer de tourner la Valkyrie. Ok, ça va tourner les gardes. Un autre coup. Ok, du coup l'archer magique a fini la tour. Ce qui fait qu'on a réussi à gagner. Du coup merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.